Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir, selon la zone où vous vous trouvez. Moyouen bons banabetou, miaba inoudi yonsou, botanabino bande ou kolabiso, banso, banamboka, boazalendo, botanabeno bampangina betou, moyanyo analengo. Hamjambo asikizi wa lugha ya Kiswahili, watoto wa Bukavu, wa Lubumbashi, wa Uvira, jambo yenu. Voilà, chers compatriotes, nous allons interpréter l'actualité selon notre philosophie. Comme vous le voyez là, dans le titre, Vital Kamerhe serait dangereux pour l'Assemblée nationale. Bien sûr, il est candidat. Il est candidat président de l'Assemblée nationale, mais nous, TV du peuple, RD Congo, nous pensons avec ceux qui sont avec nous que Vital Kamerhe est dangereux. Voilà, chers compatriotes. Nous allons également parler de la peine de mort selon nous, selon notre philosophie, et tacler ceux-là qui sont contre. Alors, nous allons parler de Jeannette Kabila. Bon, il paraît que c'est Jeannette ou quoi, mais bon, nous simplifions tout simplement Jeannette Kabila, qui porterait juste un nom d'emprunt, parce que nous savons tous, nous les Congolais, que la prétendue Jeannette Kabila et son frère sont des Tutsis d'origine rwandaise. Bon, qu'ils soient devenus Congolais par adoption, par Laurent Désiré qui présentait Joseph Kabila comme son fils, soit, c'est resté comme ça, c'est consommé pendant plus de 18 ans, ils sont Congolais, mais des criminels. Voilà, chers compatriotes, désolé, mais c'est des criminels. Joseph Kabila, Jeannette Kabila, Zoé, c'est des criminels, protégés par certaines lois, etc. C'est pour ça qu'il s'avère très important de modifier la Constitution, et ce sera l'une des premières choses à faire dès que le gouvernement est formé, la nouvelle Assemblée en place. Il faudra penser à ces choses-là. Alors, nous allons saluer la révision d'un accord gagnant-gagnant entre la RDC et la Chine. Oui, on appelle ça, il y avait déjà l'accord, le contrat. Quand on le modifie, on appelle ça l'avenant au contrat. Nous allons parler d'Augustin Kabuya qui s'est tiré une balle. Il s'est tiré une balle, je pense que s'il n'est pas mort politiquement, mais au moins, il a perdu sa popularité. Parce que moi, en tant que Kasaïen, je suis déjà né à Jadoville, aujourd'hui Likasi. J'ai vécu là-bas avec mon père dans mon enfance et avec mes parents. Donc, il ne peut pas saper l'honneur de mes parents ou de mes ancêtres du Kasaï, que c'est des sorciers et que nous nous serions déplacés à cause de la sorcellerie et que dans le Katanga nous sommes des émigrés ou des émigrés dans le Katanga et des émigrés du Kasaï. Mais non, il a déplacé sa parole. Il a intérêt à revenir sur ses propos, demander pardon aux Kasaïens. Oui, s'il n'y a pas ça, moi je ne suis pas d'accord avec lui.
Voilà. Je suis de l'UDPS. Je suis fasciste, mais je n'accepte pas ça du tout. Pas du tout. Voilà, chers compatriotes. Alors, Vital Camerier. Oui, Camerier, Vital Camerier. Chers compatriotes, je pense que miser sur Vital Camerier comme futur président du Parlement national, c'est de l'Assemblée nationale, c'est très dangereux, chers compatriotes. Il y a trois candidats. Il y a trois candidats et parmi ces trois candidats, je pense que d'après Mediacongo.net, il paraît que le président du bureau d'âge, Christophe Mboso Nkodia-Mpwanga, je pense que lui, il est soutenu par la majorité des membres de l'Union sacrée pour la nation. Alors, selon ce média, l'arbitrage de Félix Tshisekedi est attendu pour départager Kamere Bahati Mboso. Et vous savez, le président de la République, mon pressentiment, c'est que lui, il suit le peuple. Il suit très souvent les clameurs publiques. Il respecte le peuple congolais. Ce que peuple veut, Dieu le veut. Quand vous allez à l'encontre, vous vous battez contre Dieu. Ah, mais oui. Vous voyez, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo est toujours bloquée, faute d'accord entre les différentes forces politiques. Vous savez, c'était attendu pour le 15 mars et maintenant, bon, ça va être compliqué. L'arbitrage du président de la République est attendu pour les départager. Selon une source proche du président Bosso, la non-désignation par l'Union sacrée de la nation, la coalition au pouvoir de ses représentants au bureau définitif, ainsi que le manque de fonds pour le fonctionnement du bureau d'âge, bloque l'organisation des élections. Une fois les représentants de l'Union sacrée pour la nation choisis, les choses vont se dérouler comme sur des roulettes et les élections pourront se tenir avant le 15 mars, nous sommes déjà le 16, a indiqué la source. Dans le cas contraire, la situation sera compliquée. Alors, les trois candidats au perchoir ont chacun leur soutien au sein de l'Union sacrée pour la nation. Christophe Mboso Nkodia Mpwanga, président sortant de l'Assemblée nationale, bénéficie du soutien d'une majorité de députés de l'Union sacrée pour la nation. Et moi, je mise dessus. Je mise sur Christophe Mboso Nkodia Mpwanga. Voilà. Nous misons, nous, peuple congolais majoritaire. Mais oui, écoutez tous les parlementaires debout, allez dans la rue, personne ne veut de Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. D'abord, lui-même avait dit que Premier ministre, je ne suis pas partant, je ne suis pas candidat. Président de l'Assemblée nationale, je ne suis pas candidat. Comment expliquer qu'aujourd'hui, maintenant, il est candidat? Point d'interrogation. Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, l'UNC peut compter sur le soutien de son parti ainsi que de certains députés de l'Union sacrée pour la nation. Oui, Mboso Nkodia-Mpwanga bénéficie du soutien d'une majorité de députés de l'Union sacrée pour la nation. Alors, quant à Modeste Bahati Lukwebo,
président du regroupement Alliance des Forces démocratiques du Congo et allié AFDC, a bénéficié du soutien de son regroupement, c'est tout à fait naturel, ainsi que de certains députés de l'Union sacrée pour la nation. L'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale est un enjeu important pour les différentes forces politiques congolaises. Voilà, ça c'est selon mediacongo.net. Vous savez que Vital Kamerhe a failli faire plonger le président de la République dans le négatif profond lors des 100 jours. Vous savez, dès le début même, Vital Kamerhe s'est montré voleur, hein. Donc dans nos langues bantoues, nous disons voleur. Il a bel et bien détourné. D'abord, il y a eu cette histoire de 15 millions dont on n'a pas d'explication jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, les 100 millions, les 58 millions qui ont disparu pendant les 100 jours. Mais aujourd'hui, on nous dit que c'est exécuté à 80% sur le président de la République qui l'a dit lui-même il y a un mois ou deux. Mais aujourd'hui, bon, c'est exécuté à ce pourcentage-là, mais avec quoi? Parce que il a été condamné, il a fait 2 ans en prison. Et il a été acquitté d'une façon cavalière. On a vu les preuves, on a vu son frère, son neveu, Massaro, avec des liasses, 2 millions de dollars dans son appartement. Il jouait avec son bébé. Il a fui. S'il a fui, il se reprochait quelque chose. Il a abandonné les jeeps dans la rue, à gauche, à droite. Il est parti se cacher dans une ferme. Donc, il y avait culpabilité. Quelqu'un qui fuit, cela veut dire qu'il est coupable de quelque chose. Mais comment peut-on acquitter une personne pareille? Lui a-t-on demandé où il a eu ces liasses, ces millions de dollars qu'il exhibait dans son appartement? Ça veut dire que son oncle Vital Kamerhe a bel et bien détourné. Les juges avaient dit que c'était d'une façon intellectuelle. Quelqu'un comme ça, qui a une réputation comme ça, qu'on chantait dans la rue lors de ses déplacements, Moïse Yeyo Kamerhe, c'est celui-là qu'on veut comme président de l'Assemblée nationale. Quelqu'un qui va offrir 30 vaches à notre agresseur au Rwanda, parce que son fils s'est marié, il va jusqu'au Rwanda. Quand il était directeur de cabinet, il offre 30 vaches. On lui demande de parler en Kinyarwanda, mais il n'a pas parlé en Kinyarwanda, parce que ceux qui lui demandaient de parler en Kinyarwanda savaient qu'il parle de Kinyarwanda. Et il est réputé être caméléon. C'est celui-là que nous voulons comme président de l'Assemblée. Non, mon président, je vous respecte, je sais que vous êtes bon, vous êtes doux. Les Congolais vous appellent, ils disent que vous vous comportez comme un pasteur, comme un prêtre. Mais quelque part, je pense que vous êtes lent, mais quand vous agissez en retard, vous avez toujours raison. S'il vous plaît, pas de Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. Il a commencé à corrompre. Je n'en ai pas la preuve, mais nous avons appris qu'il distribuait 10 000 dollars à chaque député. C'est de nouveaux venus, ils n'ont pas d'argent, et puis ils ne manquent pas d'argent. Si les députés sont au nombre de 500 et qu'il a distribué 10 000 dollars à chacun, ça veut dire que il a mis 5 millions en jeu pour corrompre. Et si nous avons quelqu'un qu'on appelle
que les Ivoiriens appelleraient deux côtés. Vraiment, quelqu'un qui est réputé être caméléon, c'est très dangereux pour nous. Et puis, il pourra bloquer, nous le savons déjà, qu'il a le projet de bloquer la modification de la Constitution ou le changement total de la Constitution. Il pourrait bloquer. Il est en connivence avec des gens de l'Est. Il est en connivence avec le Rwanda. Voilà, chers compatriotes, je le répète encore, pas de Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. Et celui qui est d'accord avec ça m'envoie un message, s'il vous plaît, dans les commentaires. Voilà, chers compatriotes. Et à part les commentaires, chers compatriotes, il y a aussi là le numéro de téléphone. Vous pouvez m'envoyer ça par WhatsApp. C'est important pour que nous puissions partager, montrer aux autres que nous ne sommes pas seuls. Il y a plusieurs Congolais qui ne veulent pas de Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée. Voilà. Maintenant à Augustin Kabuya. Augustin Kabuya, secrétaire général de l'UDPS, dont je suis membre aussi. Augustin Kabuya, qui était d'abord l'informateur et qui est devenu formateur ensuite du gouvernement, a manqué une occasion de se taire quand il a manqué du respect aux Kasaïens. Il a manqué du respect aux Kasaïens. Quand vous dites que vous avez fui la sorcellerie aux Kasaï pour émigrer vers le Katanga. Au Katanga, vous n'êtes pas chez vous. Donc cela veut dire que les Kasaïens sont des sorciers. Il n'a même pas dit certains sorciers. Il a dit que les Kasaïens sont des sorciers. Est-il encore qu'il puisse démontrer l'existence de cette sorcellerie? À moins qu'il ne soit lui-même sorcier. Comment peut-on parler de la sorcellerie sans en être sûr? Parce que très souvent, nous savons que les adultes imputent la sorcellerie aux enfants, qu'ils les maltraitent, les torturent, et finalement, il n'y a rien de tout ça. Bon, nous savons, d'après certaines démonstrations, qu'il existe de la magie noire, mais bon, c'est quand même une insulte au Kasaïen, une insulte à lui-même, une insulte à lui-même, parce que il est Kasaïen, comme nous tous. Mais alors, il conforte les propos de Dominique Mounongo, qui a insulté les Kasaïens qui sont au Katanga. Oui, je peux dire les Kasaïens du Katanga parce qu'ils sont nés là-bas. Moi-même, je suis né à Jadotville. Je suis né au Katanga. Le Congo appartient à nous tous et tous les citoyens congolais sont chez eux n'importe où à l'intérieur du Congo. Ils ne sont pas des immigrés dans le Katanga. Les Kasaïens ne sont pas des immigrés dans le Katanga. Ils ne sont pas non plus des émigrés du Kasaï. Ça, c'est une insulte et je ne suis pas le seul à l'avoir fustigé. Écoutez ceci, chers compatriotes. Direct au secrétaire général de l'UDPS, Tshisekedi, monsieur l'informateur, candidat vice-président à l'Assemblée nationale, le moine Abouté, le tout-puissant coordonnateur du présidium de l'Union sacrée, Augustin Kabuya. Monsieur le secrétaire général,
C'est une question directe adressée à vous qui avez animé une matinée politique les dimanches. Nous vous avions bien suivi et nous avions suivi vos propos, monsieur Augustin Kabuya. Monsieur Augustin Kabuya, tout ce que vous avez dit, c'est beau bien. Mais pouvez-vous nous expliquer si, à dater de ce dimanche, vous êtes devenu porte-parole de Jacques Kiaboula Katwi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que toute une matinée politique était consacrée à défendre Jacques Kiaboula. Vous vous êtes même contredit en voulant beaucoup parler. Vous dites ceci: l'ARDF est une mosaïque de l'UDPS. Vous oubliez que vous avez signé un document où vous nous avez présenté les mosaïques de l'UDPS. Sans l'ARDF, monsieur Augustin Kabuya, qui sont ces émigrés-là où vous faites allusion? Est-ce ce sont ces gens-là de Kassaïen qui sont nés ici, grandis ici? Ce sont ces Kassaïens, quand vous voulez venir au Katanga, qui se sont mobilisés pour vous recevoir, en masse d'ailleurs, ce sont ces Kassaïens-là qui investissent ici au Katanga, dont vous dites ils n'ont plus la parole ici au Katanga. Monsieur le secrétaire général Augustin Kabuya, votre question directe que je vous pose est de savoir depuis quand vous devez contredire le chef de l'État. Quand le chef de l'État veut favoriser l'unité nationale, pour vous, les Kassaïens qui ont fui la sorcellerie chez eux, nous les Kassaïens qui ont fui la sorcellerie chez nous, vous nous posez même la question terre à terre, très téméraire, de savoir où serait notre territoire, notre chefferie. Vous avez communiqué une honte. L'UDPS ne mérite pas un secrétaire général qui communique la honte. Vous le savez très bien, ce sont ces Kassaïens qui vous ont toujours défendu. Monsieur le secrétaire général, vous n'avez pas défendu le bilan de Kiaboula, mais vous avez vanté Kiaboula. Est-ce que vous pouvez revenir le dimanche prochain, défendre un peu le bilan de Kiaboula? Parce que la population, les Kassaïens qui ont fui la sorcellerie chez eux, sont en train d'élever les débats sur le bilan de Kiaboula. Mais vous nous avez rabaissés, rendus au zéro, avec des genres de propos kassaïens. Vous êtes les plus médiocres des kassaïens. Vous êtes les plus médiocres des communicateurs de Kiaboula. Monsieur le communicateur de Kiaboula, depuis quand vous pouvez prendre les initiatives de discriminer les uns pour favoriser les autres? L'UDPS, comme ça vous appartient. Savez-vous quel est le message que vous avez initié dans nos têtes? Chez les Wazalendo, à l'Est, il y a des Kassaïens qui défendent l'Est. Le lendemain, quand ils vont gagner la guerre, vous allez vous lever pour dire les Kassaïens qui ont milité chez les Wazalendo, vous n'avez pas droit à la parole à l'Est de la République démocratique du Congo. Savez-vous que M. Augustin Kabuya, à votre rang, avec ces propos-là, vous favorisez l'indépendance du Katanga, tant revendiquée par les Katangais? M. Augustin Kabuya, revenez sur vos paroles, parce que vos paroles blessent, vos paroles ont tué, vos paroles divisent. Vos paroles nous ravissent l'espoir dans notre régime. Et nous n'allons pas accepter M. Augustin Kabuya. Vous devez revenir pour lancer un message de paix. Entre-temps, le mercredi, nous serons à Machu Picchu. Tous les Kassaïens, nous serons à Machu Picchu. Tout celui qui a fui la sorcellerie au Kassai, que vous n'avez pas su développer même Miabi,
Nous serons à Machu Picchu et nous allons faire notre déclaration. Merci. Bon, chers compatriotes, Oyauti Koloba, Azali Ndekoyo, Azali ko soutenir le pouvoir. Mais, Boyo Kasikoyo, Pero Luara, opposant à pouvoir, Azali kouto opposante, ye afingaka, ye Azali ko finga. Bon, ye pe asili ki pona likamwana, mais c'est quand même par la faute de Augustin Kapuya. Boyo Kapero Luara, je ne le soutiens pas, mais c'est la conséquence des propos tenus par notre compatriote et frère Kasséyan Augustin Kapuya. Suivez. Balouba, bozui, baf, mes frères Balouba, ndo, bozui, bo poussa, je me, na seki Balouba ma casse, bozui Balouba, Balouba, na sepe, oba, oh, tobando, batoto, ba, mike, ça goûte, hein. Kabuya commence à insulter le Balouba. Le pouvoir d'Engeleka se retourne contre le Balouba. Bozui, bandoki, Kabuya fini bino Balouba bandoki. Bozoki makindoki na Kasai pour aller chez les gens au Kasa, au Katanga. Kabuya insulte les Kasaïens. Vous êtes encore au pouvoir, vous les Kasaïens. Chez vous, y a rien. Ce fils de la malédiction sort de l'argent pour construire chez vous, il vole lui-même. Ici, je n'arrête pas de me poumonner en vous disant, mes chers frères, faisons attention. Après le pouvoir de ce monsieur, Moulouba Kozalensika Otialo Koloté, nous avons fait combien de kilomètres de route, Yokabouya, Yokabouya, avec les frappeurs de Tshisekedi qui au pouvoir, vous avez construit chez nous au Kasaï. Combien d'écoles, combien d'universités? J'ai dit ça aux Kasaïens. Ils n'ont pas compris, ils m'ont dit, wa mania, mouta aussi moi nenu. Nasaye moi zami. Nasha moana, moana nasha mou sanzoubou. Kabatoua mouela mouka piate. Kabuya commence à vous traiter bandoki. Bozonga na kindoki, nabino na kasai, kabuya lobi. Bokene koloka na kasai, Balouba. Boza bandoki, kabuya mouta lobi. Kabuya lobi otiri, bo kimi kindoki. Les gens fouillent la faim. Il n'y a pas de perspective chez nous au Kasai. Il n'y en a pas. Kabuya vous insulte. Je demande à Augustin Kabuya de demander pardon au Kasaïa. Il faut que, en termes clairs et audibles, que Augustin Kapuya demande le pardon au Kasaïen. Oui, bon, j'ai lu un article dans lequel dit que je n'avais pas insulté les Kasaïens. Mes propos ont été détournés de leur contexte. Ça ne suffit pas. Il faut demander pardon. L'ombaloussé qui dit bana ben babena kasai. Bon. Ou dis-moi que les bibi, quoi moi que les bien pétor. Olobi mabe. Yo ce qui olobi ndengwana si ko Dominique Munongo oya tribaliste on a akolobaliste soni. Akoloba tentesu bibi dikabi. Hein? Et tu n'es pas n'importe qui. Tu es un haut cadre de l'UDPS. Tu es un futur ministrable ou futur, je ne sais pas, vous êtes candidat à la première vice-présidence du Parlement. Mais est-ce que vous en valez encore la peine avec des propos comme ça? Vous avez perdu de votre notoriété. Faites tout pour récupérer votre notoriété. Demandez pardon. Hein. Les Congolais sont des grands chrétiens. Hein. Ils peuvent vous pardonner. Moi, le premier. Hein. Rectifiez vos propos. Je suis Congolais. Et je suis chez moi partout. Partout. On est né au Katanga comme moi, par exemple, je peux me prévaloir du droit du sol. Je suis né là-bas. Voilà, chers compatriotes. Nous allons parler maintenant de la peine de mort. Moi, j'ai fêté, hein. Si j'avais du champagne, j'allais en consommer. Hein. Il le fallait. Ça aurait dû être déjà exécuté depuis.
il y en a qu'on ne sait même pas punir par la peine de mort. Vous savez, quelqu'un qui prend un couteau, qui se met à dépecer un être humain, à ouvrir partout, découper en morceaux, vous attrapez quelqu'un comme ça, vous le condamnez à mort, est-ce que ça suffit? Ça ne suffit même pas. Il faut lui rendre l'appareil. Le torturer avant de le faire mourir, même lentement. Ou le mettre dans un sac, mettre une pierre, le jeter dans la rivière. Voilà, chers compatriotes, je vais lire rapidement cette circulaire du ministère de la Justice. Alors, ministère de la Justice, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mbombo et Rose Mutombo Kiese. À l'attention de messieurs, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, monsieur le premier président de la Cour de cassation, monsieur le procureur général près la Cour de cassation, monsieur le premier président de la Haute Cour militaire, monsieur l'auditeur général des FARDC, messieurs, pendant les 30 dernières années, la partie orientale de notre pays est en proie à des conflits armés récurrents, souvent orchestrés par des États étrangers qui, pour la circonstance, bénéficient parfois de la complicité de certains de nos compatriotes. Ces actes de traîtrise ou d'espionnage ont fait payer un lourd tribut tant à la population qu'à la République au regard de l'immensité des préjudices subis. Aussi, au cours de la même période, il a été constaté le développement exponentiel dans la plupart de nos grands centres urbains du phénomène de banditisme d'une grande cruauté, semant la terreur, la désolation et causant parfois mort d'hommes au sein des communautés. La législation pénale en vigueur prévoit la peine de mort pour certaines infractions. Cependant, depuis plusieurs années, la peine de mort, bien que prononcé par les juridictions, n'est plus exécuté en raison du moratoire sur l'exécution de la peine capitale décrété par le gouvernement. Voilà, chers compatriotes, nous continuons la suite. Malheureusement, ce moratoire a été aux yeux de tous ces infracteurs comme un gage à l'impunité, car même lorsqu'ils ont été condamnés de manière irrévocable à la peine capitale, ils étaient assurés que cette peine ne serait jamais exécutée à leur endroit. En vue de débarrasser l'armée de notre pays des traîtres d'une part et d'endiguer la recrudescence d'actes de terrorisme et de banditisme urbain entraînant mort d'hommes d'autre part, le gouvernement de la République a décidé lors de la 124e réunion ordinaire du Conseil des ministres du 9 février 2024 de la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Ainsi, en exécution de cette décision, la peine de mort consécutive à une condamnation judiciaire irrévocable intervenue en temps de guerre, sous l'état de siège ou d'urgence, à l'occasion d'une opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de l'ordre public, ou encore pendant toute autre circonstance exceptionnelle, sera exécutée, et ce, en vertu notamment des dispositions ci-après. Voilà. 1. Code pénal, livre 2. Les articles sont là. Association des malfaiteurs, trahison, espionnage, participation à des bandes armées, participation à un mouvement insurrectionnel. C'est dans le livre du code pénal, livre 2. Voilà, vous pouvez consulter les numéros des articles. Il y en a beaucoup, hein, donc je ne sais pas citer tous ces chiffres-là. Alors, il y a le crime de génocide, le crime contre l'humanité, crime de guerre.
Il y a pour le code pénal militaire la désertion à l'ennemi, lâcheté, in fine complot militaire, in fine rébellion ayant occasionné la mort de l'autorité contre laquelle les actes de rébellion sont dirigés. Rébellion, refus d'obéissance de marcher contre l'ennemi, violation de consignes en présence de l'ennemi ou d'une bande armée. Voilà, chers compatriotes, et pour finir sur la page 3, nous avons une série d'articles, mais je vais lire leur contenu. Eh bien, l'article 114, abstention volontaire par un commandant d'unité de remplir une mission relative à des opérations de guerre dont il a été chargé. Abandon de poste ou violation de consigne. Abandon de poste en présence de l'ennemi ou bande armée. Trahison en temps de guerre. Vous entendez? Trahison en temps de guerre. On est condamné à mort. Espionnage, condamnation à mort. Sabotage commis dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère. Condamnation à mort. Participation à un mouvement insurrectionnel lorsque les insurgés sont porteurs d'armes. Participation à un mouvement insurrectionnel en s'emparant d'armes, des munitions, des substances explosives ou dangereuses ou en procurant aux insurgés des armes, munitions ou des substances explosives ou dangereuses. Ceux qui procurent des armes, qui les donnent à l'ennemi, ils sont condamnés à mort. Direction, organisation et commandement d'un mouvement insurrectionnel. On est condamné à mort. Donc, vous êtes dirigeant de l'AFC, organisation et commandement d'un mouvement insurrectionnel, vous êtes condamné à mort. Juste le fait d'être le patron de ce mouvement, si vous êtes attrapé, vous êtes condamné à mort. Acte de terrorisme ayant entraîné mort d'homme, enrôlement par l'ennemi ou ses agents. Vol, détournement et destruction méchante. Vous suivez? Vol, détournement et destruction méchante. Vous êtes condamné à mort. Hein? C'est l'article 202, je répète. Pour le vol. Pour le détournement et destruction méchante, vous pouvez être condamné à mort. Le procureur général près la Cour de cassation et l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer une large diffusion de la présente auprès des offices sous leurs ordres. Fait à Kinshasa le 13 mars 2024, Mutombo Kiese Rose, signature à l'encre vert. Voilà. Chers compatriotes, vous avez suivi. Il n'y a pas de rigolade. Chers compatriotes, la peine de mort, il faut jubiler. Et le camp adverse, le camp des ennemis, ils ont commencé à avoir peur. Hein. Certains sur Twitter, j'ai lu, ils disent que oh, maintenant on va commencer à condamner à mort les Tutsis. Ils veulent se victimiser dans tous les cas. Et il y en a un autre là, docteur Mukwege, au lieu de se prévaloir de son prix Nobel. Il veut se mêler de la politique. Pour preuve, il n'a pas réussi. C'était un candidat de l'Occident. Et notre peuple n'en voulait pas. La preuve, il a eu combien de... Quel pourcentage aux élections? Un pourcentage infime, ridicule. Pour un prix Nobel.
Il dit qu'il est contre la peine de mort. C'est vrai que notre justice est malade, mais nous avons le temps d'améliorer. Hein? Nous avons le temps d'améliorer. Nous allons revisiter la justice, nous allons changer la constitution, les choses vont s'améliorer avec le temps. Et avec cette peine de mort-là, c'est dissuasif, mais il faut exécuter. Ceux qui sont condamnés à mort, il faut les exécuter. C'est le camp Kabila, le camp du PPRD. Ils sont en train de critiquer. Au Rwanda, ils tremblent. Maintenant, à l'Est, ils tremblent aussi. Hein. Mais heureusement, maintenant, nous allons débarrasser l'armée de tous les virus, c'est-à-dire les infiltrés. Je n'ai pas dit les Tutsis, hein. Je dis les infiltrés. Parce que quand on dit Tutsis, ils vont dire, oh voilà, nous les Tutsis. Mais il y en a qui sont là depuis. Il y en a dans le gouvernement, il y en a qui occupent, oh là là, il y en a qui vivent tranquillement. Il y a même un groupe de Banyarwanda, bon, qui se font appeler Banyamulenge. Je comprends que c'est pour se différencier des autres, mais bon. Mais la langue qu'ils parlent, les identifient toujours, Banyarwanda. C'est-à-dire ceux qui sont originaires du Rwanda. Ils sont là, ils vivent tranquillement. C'est les mauvais, les virus qui sont venus du Rwanda, injectés par Paul Kagame. Que nous ne voulons pas. Il y a eu plus de 400 officiers ou sous-officiers formés à Kananga. Nous demandons au ministre de la Défense de faire en sorte que les officiers qui sont à l'Est, qui ont duré longtemps là-bas à l'Est, soient tous remplacés par ces sous-officiers. Évidemment, ils ont moins d'expérience, mais ils seront accompagnés par des officiers anciens qui ont de l'expérience sur le terrain. Ah ben, il y a les Ouazalendo, on peut compter sur les Ouazalendo, bien qu'il y ait des mauvais Ouazalendo, ce que nous apprenons en ce moment. Voilà, chers compatriotes. Et je rappelle aussi que, bon, ils vont aller à l'Est, il ne faut pas détourner leur salaire. Il faut les faire bien manger, bien les traiter, parce que nous avons appris qu'il y a eu des coups de feu tirés en l'air à l'aéroport de Goma. Il paraît que, je n'ai pas de source sûre, mais j'ai entendu sur les réseaux sociaux qu'ils étaient mécontents. Ils ne sont pas bien payés, ils ne mangent pas bien. Ben, j'ai entendu des choses pareilles. Il faut que ça soit amélioré, que l'argent qui a, quand on envoie de l'argent là-bas, que ça arrive, qu'ils mangent bien, qu'ils boivent bien. Voilà, chers compatriotes, ça c'était pour la peine de mort selon nous, selon notre interprétation. Voilà, chers compatriotes, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié Jeannette Kabila. Jeannette Kabila, bon, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Kabila, Joseph Kabila est cité dans beaucoup de dossiers sales. Et Jeannette Kabila a été interpellée. Elle a été interpellée. Elle a fait 5 heures à la nerf. Elle aurait cité des noms. Et Joseph Kabila est mouillé dedans. Il serait. Il y aurait des preuves qu'ils sont en contact avec Corneille Nangaa. Il y aurait des preuves qu'il y a eu des recrutements via la fondation Laurent Désiré Kabila. Et tout ça, ce n'est pas fini. Voilà. Les intouchables se croyaient intouchables et l'heure est arrivée. Mais il nous faut une justice équitable, une justice sans corruption. Une justice qui va avec les dossiers jusqu'au bout. Voilà, bande konabiso, Tosuki Awa. Tosuki Awa Tolobi était. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Amen. Moi, j'ajoute toujours Amen.
N'oubliez pas de cliquer. Hein. Donc, en quelques mois, un peu de mois, nous sommes à 13 000 abonnés. Hein. C'est pas mal. Hein. Dans 3 mois, je crois. Et voilà. L'autre site là a été abandonné. Parce que, bon, on a été puni par YouTube. Et puis, je ne suis pas régulier. Hein. Je viens de temps en temps. Ou un jour sur deux, ou un jour sur trois. Voilà, chers compatriotes, nous contribuons à notre façon. Voilà. Que Dieu bénisse encore la République démocratique du Congo. Voilà. Let you know.